Venons pour t'adorer, l'agneau de Dieu. En ce moment, nous élevons nos voix pour te rendre gloire, car tu es saint, tu es digne, tu es Dieu. Tu es élevé au-dessus de tous les cieux. Ton nom est grand. C'est pourquoi il t'élève. Oui, je veux t'élever, je veux t'exalter, je veux t'élever, agneau de Dieu vivant. Je veux t'élever, je veux t'exalter, je veux t'élever, agneau de Dieu vivant. Allons-y ensemble. Je veux t'élever, je veux t'exalter, je veux t'élever, agneau de Dieu vivant. Je veux t'élever. T'élever Jésus, je veux t'élever, Dieu magnifique, je veux tu mérites l'honneur et la gloire, agneau pur et sans défaut, sans tâche. Je veux t'élever, je veux pour accomplir le vœu de la croix. Seul mérite la gloire, ton seul est digne d'être adoré, nom de Dieu vivant. Tu n'as point regardé ton trône, Jésus, mais tu t'es humilié, tu t'es sacrifié pour accomplir l'œuvre parfaite. Je veux t'élever, t'élever. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et c'est pourquoi nous venons en ce moment pour le célébrer, pour le magnifier, pour l'honorer, pour l'adorer, pour l'exalter. Que toutes les nations s'élèvent de ce cœur pour porter à l'endroit du roi de gloire des louanges, des adorations, car l'un des dieux. Jésus, Dieu suprême, n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il se dépouilla lui-même, prenant la condition d'esclave. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui que nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Tu as reçu le nom. Oui, tu as reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Le nom au-dessus. Yahweh. Le nom au-dessus des dominations. Tu as reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Yahweh.
Paul. Je te vois élégamment habillé. À côté d'une jeune fille. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas qui elle est à côté de toi. Je ne sais pas si c'est celle dont tu m'as parlé ou bien c'est une autre personne. Tu vas te lever et tu vas ouvrir le voile. Nous allons vérifier. Tu vas vérifier si c'est elle ou si c'est une autre personne. Restez concentrés, hein. Il prend tout son temps. Il n'est pas pressé. Est-ce que c'est elle ou bien c'est une autre personne? C'est bien elle. Ah, acclamez Jésus. Dis-moi comment tu la trouves. Je sais que tu vas aller chercher les mots les plus romantiques, mais nous irons plus vite. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses d'elle? Qu'est-ce que tu la trouves? Comment tu la trouves? Je veux entendre tes propres mots. Je la trouve encore plus belle quand je l'ai connue. Son sourire rayon plus que des diamants. Et je bénis le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Amen. Tu la trouves plus belle que le diamant. Amen. Mais pour moi, c'est encore faible. Le nom que tu veux lui donner, le nom personnel que tu m'as pas. Prends ton temps et décris-moi. Faut t'exprimer. Ouais. Pas lui comme si c'était aujourd'hui que tu es en train de l'aborder. Ruth Esther, tu sais tout. Depuis le premier jour que je t'ai vu, jamais mon cœur a été touché à ce point. Et je te l'avais dit, tu as marqué mon cœur par le sceau de ton amour. Et depuis que ce sceau a été marqué dans mon cœur, je suis prêt à braver l'impossible pour toi. Tu es la femme dont on parle dans Cantique des Cantiques, noire et belle. Et j'ai fait plusieurs pays, mais je n'ai jamais trouvé une femme si belle que toi. Et c'est pourquoi je t'appelle la plus belle fleur du jardin. Amen. Ah! Jésus! Jésus! C'est sans commentaire. Voilà Ruth Esther. Ruth Esther. Ce que je ne connais pas son nom, c'est toi qui vas me dire le nom par lequel tu veux l'appeler. Tu vas me dire qu'est-ce que tu réponds avec ces belles paroles qu'il vient de donner devant toi. Nul n'est comme toi. Ouais, c'est les anges même qui sont en train d'acclamer. Acclamez Jésus. C'est fort. Éternellement, pourtant, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur. Comme toi, je pourrais chercher éternellement, pourtant, nul n'est.
l'homme de ma vie, celui que Jésus m'a donné. Je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Les hommes ne peuvent pas comprendre cet amour. Mais Jésus le sait. Tu le sais et je le sais. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Amen. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus. Jésus-Christ est amour. Et il donne cet amour à ses enfants pour le manifester aussi. Et il veut que cet amour règne entre l'homme et la femme. Aujourd'hui, les deux se sont mis d'accord à s'engager dans cette aventure plein de bonheur, plein de grâce, plein de bénédictions, et le ciel est témoin. Et comme le ciel est témoin, cette parole qui est la parole de Dieu, qui est la parole par laquelle l'univers est fondé, la parole de Dieu qui est Dieu, c'est Dieu qui sera témoin de cette union. Et ce que les deux vont déclarer devant ce témoin est scellé au ciel. Et nul ne peut la révoquer. Ce que Dieu a uni, que nul ne sait pas. Alors, vous allez tenir ce témoin qui est la parole de Dieu. Tout ce que vous déclarez engage votre vie, engage votre âme. Si vous êtes, vous dites oui, ça reste oui pour toute votre existence. Il n'y a pas de oui mais. Il n'y a pas de si je savais. Donc Paul, devant Dieu, devant les hommes, si tu es d'accord de prendre Ruth Esther pour femme, de vivre avec elle dans le lien de mariage selon les principes de la sainte doctrine, tu prends le serment devant Dieu, devant les hommes, de respecter les principes de l'amour selon la sainte doctrine, les principes du mariage selon la sainte doctrine, et tu promets fidélité, intégrité, vérité, et de l'aimer de tout ton cœur jusqu'à ce que la trompette ne sonne. Tu as la parole. Tiens avec tes deux mains. Garde-lui ça. Ruth Esther, mon amour, aujourd'hui devant Dieu, devant les hommes, je te promets et je prie d'être pour toi l'époux selon l'image du Seigneur Jésus-Christ, de te témoigner toute ma vie la fidélité, l'amour, la compréhension, être pour toi celui avec qui nous allons aussi le réveil, Jésus revient encore plus haut,
où le Seigneur nous enverra pour son œuvre. Être également celui avec qui nous entreprenons plusieurs activités humaines, que ce soit professionnelles, que ce soit sociales, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamé pour le Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Retester, à ton tour. Retester. Si ne tu acceptes à Yikpe de prendre Paul, Paul, d'accepter Paul, comme Paul, ton époux, l'homme de ta vie, si nous présente ton vivre avec lui dans la fidélité, dans l'intégrité, dans la soumission, respectant les principes de la sainte doctrine jusqu'au son de la trompette. Tu as la parole. Moi, Ruth Esther, je promets être pour toi une femme soumise, une femme qui te sera fidèle toute la vie, une femme qui va t'aimer, qui va te chérir, qui prendra soin de toi. Je promets d'être cette aide pour toi, cette aide idéale, cette femme vertueuse, selon Proverbe 31. Je promets t'accompagner dans tes projets. Je promets éduquer tes enfants, que dis-je, nos enfants, jusqu'à ce que la trompette ne sonne au nom de Jésus. Amen. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Tout le peuple va se tenir debout. Les deux ont prêté serment devant Dieu, devant les hommes, de vivre ensemble. Nous allons sceller leurs paroles. Alléluia. Allez sur vos genoux. Alléluia. 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 Alléluia, 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 alléluia. Seigneur Jésus, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu saint, 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 Dieu saint. Toi le créateur de l'univers, toi qui es le témoin de la création de l'univers, Seigneur, aujourd'hui, nous t'appelons pour être témoin de cette union entre ton fils Paul et ta fille Ruth Esther. Seigneur, devant toi et devant les hommes, ils se sont promis, ils se sont engagés de vivre ensemble selon les principes du mariage, selon la sainte doctrine. Seigneur, en ce moment, je prie que le ciel s'ouvre sur leur vie. Seigneur, que le ciel s'ouvre sur leur vie. Que le ciel s'ouvre sur leur vie. Et que ton Esprit Saint descend pour sceller leur union maintenant. Que le Saint-Esprit descend pour sceller leur union maintenant. 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 Seigneur Jésus, tu
scelles maintenant leur union. Tu scelles maintenant leur union. Tu scelles maintenant leur union. Tu les unis en esprit. Tu les unis dans le corps. Tu les unis à partir d'aujourd'hui. Les deux deviennent une seule chair. Les deux deviennent un. Devant toi, ils ne sont plus deux, mais ils sont devenus un. Alors tu les unis. Tu les unis par ton Esprit Saint. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu sèmes l'amour dans le cœur de Paul envers sa femme Ruth Esther. Tu sèmes l'amour dans son cœur. Tu sèmes l'amour dans son cœur. Tu sèmes l'amour dans son cœur. Tu sèmes la vérité dans son cœur. Tu sèmes la fidélité dans son cœur. Seigneur Jésus, tu sèmes la compassion dans son cœur. Tu sèmes la patience dans son cœur. Seigneur, tu sèmes dans le cœur de Ruth Esther. Tu sèmes la soumission. Tu sèmes la vérité. Tu sèmes la fidélité. Tu sèmes l'intégrité. Tu sèmes la patience. Tu sèmes la douceur. Tu sèmes l'humilité, Seigneur. Papa, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, tu répands la pluie de grâce et de bénédiction sur leur vie. Tu répands la pluie de grâce et de bénédiction sur leur vie. Seigneur, tu les couvres de ton sang. Tu les couvres par 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 ton sang. Seigneur, Papa, tu fais porter à ta fille Ruth Esther la robe de sainteté. La robe de sainteté. Elle reçoit la robe de sainteté. Elle reçoit la robe de sainteté. Elle reçoit la robe d'une femme vertueuse. Elle reçoit la robe d'une femme vertueuse. Seigneur, tu fais porter à ton fils Paul d'un bon mari. Tu lui fais porter le manteau d'un mari responsable, d'un mari compatissant, d'un mari patient, d'un mari humble, d'un mari doux, d'un mari généreux envers sa femme. Seigneur Jésus, par leur union, Seigneur, tu bénis leurs entrailles. Tu bénis les entrailles de ta fille Ruth Esther pour porter des enfants, des garçons, des filles, des jumeaux et des jumelles. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu bénis la semence de ton fils Paul pour produire des enfants, des garçons, des filles, des enfants intelligents, des enfants responsables, des enfants craignant Dieu, des enfants sages, des pasteurs, des prophètes, des chantres, des évangélistes, des docteurs et des apôtres. Seigneur Jésus, par leur union, naîtront beaucoup d'enfants, des enfants obéissants, des enfants intelligents. Seigneur Jésus, Papa, tu répands la pluie de grâce, la pluie de bénédiction sur leur vie. Tout ce que leurs mains toucheront porte de fruits. Tout ce que leurs mains toucheront porte de fruits, Seigneur. Seigneur, tous les projets qu'ils décideront ensemble soient réalisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ta lumière brille dans leur vie. 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 Seigneur, tu les révèles des amis les plus puissantes. Tu les révèles des amis spirituels. Toutes les flèches que l'ennemi lancera à leur direction, que cela retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, à partir de maintenant, les deux sont déclarés mariés, un devant toi, et que les anges le certifient, et que les hommes acclament pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Ainsi, Ruth Esther et Paul sont déclarés unis dans le lien de mariage, et leur union scellée par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soulevez. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Vous allez vous tenir par la main, vous allez nous donner des pas de danse. Et le peuple de Dieu va danser avec vous. Regardez comment c'est beau le mariage dans la sainte doctrine. Acclame pour le Seigneur Jésus. Donnez-moi une belle cantique. Oh, mais il veut danser, hein? C'est une douleur à douer. Mon nom est inscrit sur les pages brillantes d'un grand livre que je ne saurais décrire. Mais tout ce que je connais de ce livre est son nom. Il s'appelle le livre de vie. Il est écrit mon nom. Mon nom est inscrit sur les pages brillantes d'un grand livre que je ne saurais décrire. Mais tout ce que je connais de ce livre est son nom. Il s'appelle le livre de vie. Mon nom est écrit, sur les pages brillantes d'un grand livre que je ne saurais décrire. Mais tout ce que je connais de ce livre est son nom. Il s'appelle le livre de vie au ciel. Wow. Au ciel, au ciel, au ciel. Mon nom est inscrit au ciel. Après mon pèlerinage sur cette terre, je m'en volerai pour cette terre, je m'envolerai pour le ciel. Lorsque cet immeuble d'argile sera détruit, mon esprit enfin sera libéré pour rejoindre sa demeure, quelque part derrière les nuits, au pied du Père des Esprits. Dans cette ambiance, parce tu vas accrocher ta chérie et vous allez vous diriger devant le régiment. Mon esprit enfin sera libéré pour rejoindre sa demeure, quelque part derrière les nuits, au pied du Père des Esprits au ciel. Après mon pèlerinage sur cette terre, je m'envolerai pour au ciel. Magnifique, tu mérites l'honneur et la gloire. Agneau pur et sans défaut, sans tâche. Tu t'es humilié pour accomplir le vœu de la croix. Ton seul mérite la gloire, ton seul est digne d'être adoré. Point
garder ton trône, Jésus. Mais tu t'es humilié, tu t'es sacrifié pour accomplir l'œuvre parfaite. Je veux t'élever, 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 Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et c'est pourquoi nous venons en ce moment pour le célébrer, pour le magnifier, pour l'honorer, pour l'adorer, pour l'exalter. Que toutes les nations s'élèvent de ce cœur pour porter à l'endroit du roi de gloire des louanges, des adorations, car il en est tout. Jésus, Dieu suprême, n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il se dépouilla lui-même, prenant la condition d'esclave. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à lui et à découvert aux yeux de celui que nous devons rendre. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous pouvons. Tu as reçu le nom. Oui, tu as reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Le nom au-dessus. Yahweh. Le nom au-dessus des dominations. Tu as reçu le nom. Au-dessus de tous les noms. Yahweh. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Ce nom, c'est Jésus. Yahweh, nous te proclamons, nous te célébrons, Yahweh.
Yahweh.